Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce jeudi en Loire-Atlantique, nous reviendrons sur les différentes mobilisations contre la loi travail à Nantes et Saint-Nazaire. Le premier navire Mistral enfin livré à l'Égypte. Pourquoi ce dossier a-t-il été aussi compliqué? Nous le verrons dans quelques instants. Enfin, Brian Coquart prépare le Tour de France. Nous l'avons suivi en reconnaissance d'étape entre Granville et Angers. Nouvelle manifestation ce matin à Nantes à l'appel de l'intersyndicale, un mouvement rejoint par les collectifs libertaires. Tous manifestent contre la loi travail portée vaille que vaille par le gouvernement. Mais les raisons de la colère sont bien plus diverses entre ras-le-bol général et rejet du monde politique actuel. Éric Aigon et Denis Vanier. Dans les cortèges, la loi El Khomri n'est pas le seul sujet de fâcherie avec le gouvernement. Au fil des semaines, les doléances se sont accumulées. Cette loi travail, ça a été un déclencheur. C'est le truc, la goutte d'eau portée par un gouvernement de gauche où on ne comprend même pas ce qui se passe. Maintenant, clairement, c'est un système entier qu'il faut changer. Et face à des ministres inflexibles, c'est leur représentativité qui est aujourd'hui contestée. Quoi qu'en disent certains politiques, les gens n'ont pas rien dans le cerveau, les gens ont des idées et surtout, ben, ils connaissent mieux leur réalité que ceux qui sont censés les représenter. Vous ne pouvez pas déconnecter la loi travail de l'augmentation du chômage, de la baisse de pouvoir d'achat des jeunes ou des moins jeunes. Si on prend nous, les retraités, depuis 5 ans, depuis l'arrivée de François Hollande au gouvernement, j'ai eu 0,1% d'augmentation de ma pension. Comment voulez-vous vivre avec des pensions pour certaines très faibles? Il faut créer des emplois dans les hôpitaux, dans les écoles. Enfin, y a des tas de revendications qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui et qui, obligatoirement, si ça ne débouche pas, les revendications continueront d'être posées sur la table. La loi travail reste toutefois le ciment de la contestation dans les défilés. Alors, dans le cas d'un retrait du projet, le mouvement va-t-il s'éteindre? Si la loi était retirée, on aurait évidemment un essoufflement du mouvement de manifestation. Ça ne veut pas dire qu'on aurait un essoufflement du mouvement citoyen généralisé qui se passe sur plusieurs lieux en France, que ça soit les Nuits debout, que ça soit les ZAD, les trucs comme ça. Sans compter que d'autres dossiers à Nantes pourraient prendre le relais fin juin, notamment le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et en marge de la manifestation, des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté. La façade de la mairie a été notamment dégradée. Un jeune homme de 20 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Il lui est reproché d'avoir participé à un attroupement après sommation. Il portait un sac à dos rempli de pierres, d'après les forces de l'ordre. Et à Saint-Nazaire également, un appel à la mobilisation a été lancé. Finalement, c'est un double rassemblement qui s'est organisé. D'un côté, le cortège vers le centre-ville et de l'autre, le piquet de grève des dockers. Anaïs Michaud. C'est autour d'un feu de pneus et dans le calme que se sont rassemblées ce matin quelques 300 personnes devant la porte 1 du site STX de Saint-Nazaire dès 8h30. Sous une épaisse fumée noire, une partie des manifestants se dirige vers la porte 4, point de départ de la manifestation prévue à 10h30. Les dockers, eux, refusent de rejoindre le cortège. Bloquer le port, bloquer l'économie, tout bloquer. Marcher, ça ne nous sert à rien. Si c'est pour aller se faire une petite promenade en ville, ça ne nous intéresse pas. La ville, on la connaît. On va rester, on bloque ce qu'on sait faire et puis voilà. Près de 500 personnes sont rassemblées, les prises de parole débutent, très vite interrompues par une coupure de courant. On apprendra plus tard qu'il ne s'agit pas d'une panne, mais de l'intervention de grévistes sur un transformateur qui aura privé 125 000 foyers d'électricité pendant plus d'1h30. Il y a eu une intervention sur l'outil de travail sur des lignes haute tension qui alimentent la presqu'île de Saint-Nazaire. Nous, le but, c'est de pouvoir sensibiliser les autorités, le gouvernement, nos entreprises, mais aussi les citoyens. L'incident est applaudi par les manifestants qui se mettent en marche direction la sous-préfecture et se félicitent de la mobilisation. Il y a beaucoup de secteurs différents qui répondent à l'appel. Agents territoriaux, notamment les éboueurs aussi, donc la raffinerie évidemment qui est mobilisée. Donc ça touche quand même beaucoup de secteurs d'activité. Pendant ce temps, les dockers ont gagné le quai où est amarré le Mistral, livré aujourd'hui à la marine égyptienne. Une cérémonie sans Jean-Yves Le Drian qui a finalement annulé sa venue. Et vous venez de l'apercevoir, le premier navire Mistral vient d'être livré à l'Égypte. Le feuilleton des BPC prend donc fin après des années d'atermoiement. Comment en est-on arrivé là? Je vous propose de revenir sur les dates clés du bras de fer entre la France et la Russie. Tout a commencé par un appel d'offres en bonne et due forme. En 2010, la Russie choisit la France pour la construction de deux bâtiments de projection et de commandement. Une option est également envisagée pour deux navires Mistral supplémentaires. Un an plus tard, l'accord est signé. Deux BPC seront construits à Saint-Nazaire. Les deux autres en Russie. Montant du contrat, 1,2 milliard d'euros. En mars 2014, un premier Mistral est construit. Le Vladivostok part pour des essais en mer. Mais à 2700 km de Saint-Nazaire, le conflit entre l'Ukraine et la Russie éclate. Le Kremlin annexe la Crimée par la force. C'est le début de la fin pour le contrat franco-russe.
Quelques mois plus tard, pourtant, les premiers marins russes débarquent à Saint-Nazaire pour être formés sur les BPC. Mais en septembre 2014, l'Elysée suspend leur livraison en réponse à l'intervention russe en Ukraine. Très clairement, mais c'est la position que la France a prise depuis le début, les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour livrer le Mistral. Les conditions, c'est quoi? C'est qu'en Ukraine, nous soyons dans un dispositif qui va vers la normale, qui permette de détendre les choses, qui fasse que la Russie joue un rôle positif. En clair, tant qu'un cessez-le-feu ne sera pas signé entre l'Ukraine et la Russie, les futurs ex-BPC russes resteront à quai. Décembre 2014, Jean-Yves Le Drian évoque une possible rupture du contrat franco-russe. Jamais livrer ces bateaux. Ne jamais livrer. Il faut que les Russes se rendent compte de cette situation. Août 2015, les négociations s'enlisent. Les BPC ne seront jamais livrés. L'Elysée et le Kremlin trouvent un accord pour le remboursement du contrat par la France, montant 949 millions d'euros. À bord des porte-hélicoptères, le matériel russe est démonté dans l'attente d'un nouveau propriétaire. Ce sera finalement l'Égypte, avec qui un accord est trouvé en septembre dernier. Le Vladivostok est renommé Gamal Abdel Nasser, du nom de l'ancien président égyptien. Sa livraison ce jeudi met un terme à un feuilleton franco-russe qui aura duré presque 6 ans et qui aurait coûté à la France plus de 200 millions d'euros. C'est un coup de filet exceptionnel. La gendarmerie de Loire-Atlantique vient de démanteler un trafic international de civelles. 9 personnes ont été interpellées entre la France et l'Espagne. 8 ont été mises en examen. Elles risquent jusqu'à 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Près de 650 000 euros de biens ont été saisis par le groupe d'intervention régionale. Je vous propose d'écouter le colonel Marconnet au micro de Yannick Lenné. Il s'agit d'un trafic international qui engage à la fois des professionnels de la pêche et des braconniers. La pêche se faisait sur les bords de Loire, en bateau ou directement sur certains points connus des braconniers. Et ensuite, avec un recel dans une entreprise de la Loire-Atlantique et un deuxième recel à partir de cette entreprise vers le Pays basque espagnol. Trafic bien organisé, en effet, avec des livraisons régulières, 100 à 150 kilos néanmoins seulement de civelles par livraison, sachant néanmoins que chaque kilo vaut entre 200 et 300 euros sur le marché national français. Après son très bon début de saison, le cycliste Brian Coquart prépare actuellement le Tour de France. Son équipe Direct Énergie enchaîne les reconnaissances. Exemple entre Granville et Angers, ce sera la troisième étape du Tour. Olivier Caillé a suivi le sprinter à l'entraînement. Segré, c'est 43 500 km de l'arrivée. On bifurque sur la gauche pour aller direction Angers. Plus de changement de direction jusqu'à l'arrivée. Les 500 mètres, les 400 mètres. Et la dernière droite fait 330 mètres. On vous verra à droite ici. Ça continue la prise jusqu'à la ligne. C'est l'hôtel de ville fixé à l'arrivée. Ouais. Ouais. Ne rien laisser au hasard, connaître les moindres détails d'un parcours. Cette saison, l'équipe Direct Énergie est aux petits soins pour son sprinter Brian Coquart. C'est des choses qu'on ne faisait pas l'an passé, que j'avais jamais vraiment fait. Que les gars faisaient en montagne voilà, pour repérer l'école, mais dans le sprint, je pense que l'aspect technique et tactique est encore plus important. 26. Et c'est sûrement ce qui lui a manqué en juillet dernier sur le Tour de France. Des détails qui lui auraient peut-être permis de franchir la ligne le premier sur les Champs-Élysées. Alors pour mettre tous les atouts de son côté et tenter de décrocher une ou plusieurs étapes du Tour à son palmarès, Brian Coquart et ses coéquipiers ne veulent rien laisser au hasard. Là on arrive dans les 20 derniers kilomètres, donc c'est vrai qu'à partir de maintenant, tous les détails du parcours, plus on va avancer et plus ça va avoir d'importance. Tous les petits pièges sur la route, là on a pu voir un rond-point assez prononcé à l'entrée d'un village, 19,5 km de l'arrivée. Là on est dans un rétrécissement, la route se rétrécit quand même sérieusement. Donc là c'est des indications qui sont quand même importantes que nous on donnera aux coureurs en temps réel le jour de l'étape. Pour aborder l'arrivée dans les meilleures conditions. Une arrivée pas facile, ouais, un peu en prise, et bah ça me plaît bien, ça plaît en tout cas aussi à mes poissons pilotes. Donc, on a pu prendre pas mal d'informations et pour pouvoir être placé au mieux le jour de la course. Quoi. La condition pour pouvoir avoir ce large sourire au soir du 4 juillet. Et un dernier mot du festival Rock Estuaire de Cordemais. Les organisateurs viennent d'annoncer l'annulation pure et simple de l'édition 2016 qui devait commencer le 10 juin prochain. En cause, les ventes insuffisantes de la billetterie qui ne permettent pas de couvrir les frais liés à l'organisation. Les billets déjà achetés seront remboursés dans les points de vente habituels. Ce devait être la deuxième édition du festival. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo. Très bonne soirée sur Télé Nantes.